Hey, salut à tous les amis, on se retrouve pour un nouvel épisode sur Uncharted 3. J'espère que vous allez bien alors qu'on retrouve après cette petite de petit gunfight. Alors on va dire comme ça, c'était exactement ça, même si j'ai bastonné. On se retrouve dans une cour et on va essayer de trouver la voie pour avancer. On vient de là-haut, me semble-t-il. Je sais pas où on doit aller, je vous avoue. En train de chercher. J'espère que vous allez bien de votre côté, hein. Moi je suis arrivé, j'étais par là. Je suis arrivé d'ici. Il n'y a rien là. Là, il y a un truc de pierre là. Il y a des munes. Là, ça se prend. 5 munes, ça se prend. Hein. Mais il y a peut-être un truc. Non, c'est un fake, c'est trop haut. Oh, ça tire encore. Il suffit de suivre Sully, je suis con moi. Où est-ce qu'il est Sully? Sully vent? Ah mais là il y a un truc, mais... Ah oui, je peux grimper, je suis bête. Je peux rester absolument... Dans le Par jardin, ici. mais il y a un étage. J'avais tiré sur le mec à la Allez, Sully, fenêtre. aide-moi à ouvrir. Là? Allez Sully! Putain, j'ai l'impression que c'est des pointes en plus le truc. Il est où Sully? Mais qu'est-ce qu'il fout? Ah le voilà. Grand-père, mène-toi. J'avais peur que ça sente le piège à con. Bon, par où on va? Je suis pas sûr. Faudrait essayer de descendre. Il veut descendre, je peux monter là. Excusez-moi, mais moi tu me dis tu peux monter, je veux grimper. D'accord ou pas? Peut-être un trésor? Non? Ouais, je pense que c'est pour un trésor. Une théière. Théière en argent. Ouais, si c'était bon, j'aurais pu prendre le raccourci. Non mais... Le mec, il se prend les pieds. Pourquoi il y a une lumière, là? Ça sert à quelque chose, non? C'est un fake. Là, il y a une trappe. Médecin. C'est qui, ça? On aurait dit le C'est mec de quoi tout ce à l'heure. délire? Mais il est vieux depuis un moment. Ah, il est vieux, il C'est est un homme mort, de pardon. Talbot. C'était. Mais c'est impossible. Ils viennent d'arriver. Ils Qu'est-ce étaient qui a déjà pu venus. lui arriver? J'en sais rien du tout, mais j'aime foutrement pas ça. Sans le piège à rat. D'accord que ça pue le piège à rat, cette histoire. Qu'est-ce que c'est que ça? J'ai cru voir un truc. Ah, il y a des symboles. Indiana Jones? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Waouh! Les dalles s'enfoncent quand tu marches dessus. Je vais rester ici pour pas risquer de marcher sur un truc. Bonne idée. Laurence mentionne ça dans ses notes? Je vais voir. Qu'est-ce qu'il nous dit? 1, 2, 3, 4. On part du symbole, on remonte, il y a la flèche. Donc ça fait 4, 3 croix. Un genre de H, 2 croix et encore 3 N pour arriver de l'autre côté. Ah, j'ai fait 1, 2, 3. Il faut peut-être marcher dessus dans un certain ordre. Ça marche plus. Ok, si ça s'enfonce pas, c'est que c'est pas bon. Ah, mais si, je sais comment faire 4. 2. 3. 4. On a dit 3, hein. En train d'essayer de réfléchir, ouais. Je fais 1, 2, 3 en remontant. 4 haches. Ah mais ah oui, il me faut des haches. Donc non, il faut remonter, aller vers la gauche. Après, je fais 1, 2, 3, 4. Je fais 2 croix. 2 Il doit croix. y avoir un parcours, Nate. Il faut Si que tu j'arrive marches à sur les faire. dalles Ouais, dans les le bon 3 N, ordre, c'est ça va bon. faire quelque chose. Donc,
On va tester. Tant que ça baisse, c'est que c'est bon. Ça va, ça tue pas. Donc là, on a dit 4. 3. 4. 2 croix. Est-ce que ça va être long? Parce que je fumerais bien un cigare. Merde, c'est Je là le fais du bouge. mieux que je peux, Sully. Merde, attends. Ah, j'aurais dû tourner avant. Je pense, hein. Attendez. En fait, ouais, il faudrait que j'arrive à faire 1, 2, 3, 4. 1, 2. Non, ça va pas. 1, 2, 3, 4. Ah, ça me fait chier. C'est ces 4 haches qui me dérangent. On recommence. Donc là déjà on a 1, 2, 3, 4, on est d'accord. 1, 2, 3, 1, 2. Il m'en faut combien? Il m'en faut 4 et 2 croix. Ouais, si j'arrive là, ça fait 1, 2. Ouais, mais je voudrais arriver sur la croix qui est devant moi. Parce que là, je suis en train de refaire la même chose. Oh, qu'est-ce que je peux tricher? Non, j'ai pas le droit, faut que ce soit continu. Alors le problème, c'est... Il me faut combien de haine à la fin? Ah, mais il me faut les 3 haines. Ah, donc il faudrait que j'arrive par là. Donc il faudrait que je fasse... J'arrive ici. 1. Oh là là. Est-ce que ce serait pas par la droite en vrai? Attendez, j'essaie de me remettre dans le bain. 4. 3 croix. Ici, j'en ai que 2. Et je peux faire 1, 2, 3. J'ai peut-être la solution. Ouais, non, mais ça va pas coller comme ça. 1, 2, 3, 4. Il me faut 3 croix. Là, j'aurais eu les 4 haches. 1, 2, 3. Non, il y en a que 3. Les 4, ils collent pas ensemble. À part, c'est parce que sinon, je vais rester au début. Faut forcément les 4 haches. Oh, je suis en train de tourner en rond. Là, en fait, faudrait que j'arrive vraiment. Il faut que j'arrive à tomber sur le celui du milieu de N. Et en faisant comme ça marchera pas. D'accord. Avec 3 croix, non, j'aurais même pas réussi. Ouais, non, mais ça, j'ai capté, madame. Voilà, j'ai cassé le truc. Oh là là. Ta daronne en bois. Perturbe, c'est 2x. Problème, c'est que je pourrais pas, je suis obligé d'arriver de l'autre côté. Parce que là, il n'y a que 2x, donc je pense que c'est pour Mito. C'est pas bon, ça. Là, si je vais à droite ou à gauche, de toute façon, je suis carotte, donc je pense que le début est bon. On a le droit de remarcher sur les mêmes dalles. Mais non. Voilà, le jeu m'indique clairement que si je vais en arrière, ça compte pas. Non, mais je suis sûr que je m'embrouille tout seul en plus.
Là, c'est bon. Au 4H, je vois que ça. Après deux croix, mais les deux croix, ça m'emmène là-bas. Ça va pas, j'ai appuyé sur un H, il me dit que c'est bon. Ah, je sais pas comment faire ces N à part arriver par ici, parce que moi je dirais que les deux croix, il faudrait qu'on arrive ici. Là, on peut faire 1, 2, 3. Combien il nous en faut à la fin? Ah, mais il nous en faut 4. Si je fais 2, ça revient au même. Ah, je vous jure, je comprends pas l'idée. Sûr que c'est sous mes yeux, mais là je fais le débile. Parce qu'après les croix, c'est les haches. Problème, c'est que je peux pas me servir de celle-ci. Ah, ça me gonfle. Oh, je suis obligé de descendre là. Tac. Non, 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 non. Où toi? Non, mais ça m'aide pas. Je vous jure, ça m'aide pas. Ça m'aide en rien du tout. Si, attendez. Faut deux croix. Non, mais là, je suis débile. Ah mais oh là là, c'est devant moi depuis le début. Pourquoi je l'ai pas vu? Oh l'aveugle, quand je disais que j'étais aveugle. C'est ça! Bravo! Oh le débile, j'ai pas pensé. Pourquoi j'ai pas vu sur le côté en fait que ça rejoignait? C'était devant mes yeux et voilà, je suis débile. Ça c'est voilà, quand t'as mal à la tête, t'es pas On voit concentré, rien voilà ce qui ici. arrive. Tu nous éclaires? Ok. Non, non, là j'ai fait le gros débile là. J'avais tout trouvé et j'arrive pas à recoller le truc Il y a eu un complet. laboratoire, non? Hey, plus de lumière, Sully. Bien joué. C'est quoi sa lumière? Moi, où il y a quelque chose? Un laboratoire d'alchimiste. Attends un peu. Ce lieu te rappelle pas quelque chose? Ouais, la planque sordide de Marlowe, maintenant que tu le dis. Sully. Sully, c'est le labo de John Dee. Aussi loin que ça? En France? Il a dû remonter jusqu'aux croisades, grâce aux indices, comme Laurence. Hé, hey, regarde. Ouais, je suis brillant. Je sais pas, il y a d'autres pièces. Regarde, parce qu'on était dans le noir au début. Alors je me dis qu'il y a peut-être quelque chose que j'aurais pas vu. Quoi qui veut que je regarde? C'est Du encore du sabéen. sabéen. C'est quoi ces symboles? On dirait qu'il cherchait une solution. Il y a une sorte de message écrit ici en énochien. Mais je parle pas le langage du roi Enoch, moi. C'est quoi ces Tu pourrais le conneries? décoder? Je vais voir. Le disque de décryptage. L'hôtel garde l'entrée des enfers. Eh bien, il conjurait les esprits grâce à la magie. Ouais, à moins que l'hôtel cache un passage secret. Ah. Aide-moi à pousser. Bon, moi je me dis c'est plutôt ça parce que vu que c'est lui qui a fait tout seul l'énigme, et si j'ai bien compris l'énigme, Regarde c'est tout du ça. code donc Ce ça lui vieux fou corrige est la très lettre malin. Merci bien. dans la bonne Pas langue. toi, John Dee. Oh. Voilà, moi je voulais aller sur l'échelle à la base, hein, mais lui il a voulu descendre, sauter.
Non mais j'ai fait le boulet sur l'énigme d'avant, je vous jure c'est vrai. Putain, ça me tue. Ça me fume à mort de Ah, me et dire voilà. que comment je peux être aussi mauvais que Éclaire-moi. ça alors que c'est devant mes yeux. Ah, c'est bien mieux. Tu sais, un jour, il va falloir que tu penses à prendre tes propres allumettes. De quoi tu parles? Mais là on va même pas se finir le château en deux épisodes quand même. Ça me paraît beaucoup. Wow. Il voulait empêcher un J'ai truc vu, de il y a une rentrer. vingtaine de Ou de chapitres à peu près, sortir. on est toujours dans le même. Hé, hey, viens m'aider. Au moins qu'après ce soit un chapitre plus long, parce que je pense qu'ils n'ont pas tous la même taille. Je l'ai. Et voilà. On aurait pu allumer la torche à droite. Hein. J'imagine qu'elle doit encore marcher, non? C'est la Ouah, un crypte puzzle. familiale. Pas de Godefroy doit être par ici, non? Faut espérer. S'il avait des infos sur l'Atlantis des Sables, il est mort avec. On va essayer de trouver la tombe. Alors je vois qu'il y a des symboles. Exactement. Voyons. Ça va être les statues. On dirait Ah, qu'il même pas essayait de encore un truc. résoudre l'énigme sans y arriver. Alors on voit qu'il y a le cheval. Waouh. C'est moi où on n'y comprend que dalle. Pourquoi il a un truc sur son doigt? Un aigle ou un phénix? Moi je vois le cheval et là il y a un morceau, voilà l'aigle. Et il y a le lion qui est représenté ici. Alors je sais pas si on peut pas changer ça. Partir rien d'autre avant. Est-ce qu'on peut changer ça ou juste tourner ça? Qu'est-ce que c'est? Un jeu médiéval? Plutôt élaboré. Ouais. Tu trouves? Je dirais qu'il est dans aucune de ces cryptes. Non. Sa tombe doit être cachée. Cherche encore. Attendez, on peut bouger que lui? J'ai l'impression, hein. Alors attendez, parce que le truc, c'est que l'aigle, il se retrouvait entre un genre de symbole de 8, une double croix, et le cheval se trouvait une ligne deux fois plus à gauche que l'aigle. Comme ça que je le vois, même si je comprends pas parce que je peux changer que le lion. Ah voilà. Alors attendez, l'aigle. C'est sûr, on a le plus d'indices. L'aigle se trouvait. Qu'est-ce qu'on a dit? Comme ça c'est ce qu'on sait. Ok, donc lui, je pense qu'il est bien placé si je vérifie. Ok, on sait que le cheval il va une case en haut et deux à gauche. Alors, le cheval, ouais, mais je vois rien avec vos trucs. Ça, c'est le lion. Le cheval. Donc le cheval, il va un au-dessus. Deux à gauche. Là, ça me paraît correct. Il y avait un troisième symbole, non? Ouais, parce que le problème, ils vont où les autres? Ça, non. Comment je sais où vont les autres? C'est ce qu'on a fait, on voit qu'il est résolu. Ça m'aide pas du tout. Comment je résous les autres? On n'y touche plus. Il y a lui. On ne comprend pas ce que je dois faire d'eux. Attendez, j'ai raté quelque chose. Il me reste deux symboles, mais je sais pas quoi en faire. Parce que l'aigle, il est placé, on est d'accord. Le cheval, on sait qu'il va deux à gauche. Je sais pas. Fallait pas remettre
Attendez. Si on remettait lui à sa place. Peut-être le lion à sa place, je ne sais pas. Je pense que j'ai bougé moi-même le lion. Le problème, c'est ça. Non? Comment je sais où va le lion et cette saloperie? Y aurait un indice quelque part? Un symbole par exemple avec des écrits? Eux, ils me disent juste dans le journal. Mais je vous jure que ça me paraît bizarre. Là, je vois qu'il y a le lion. En face, même pas, pas en face du Phoenix. Justement. Alors, est-ce que c'est juste de la déco? Qu'est-ce que c'est? Alors, j'ai l'impression que ça doit ouvrir ici, non? Il y a un truc ici. Chelou, ça aussi. Quoique, là aussi, il y a un truc. Ah! Ah, mais ça change les trucs. Ah, ça m'a mis les trois cases du Phoenix. Alors attendez, je peux peut-être savoir où va le lion comme ça. C'est bien le lion qui. Quoi que c'est. Est-ce que c'est le lion? Ah non, le lion il va là. Donc il y a le genre de haine. Tout. La lumière de ta torche se reflète sur le sol là-bas. Ouais, non, ça Et j'ai ça compris. rechange selon l'endroit où tu te trouves. Ah ouais, mais comment je fais pour savoir les autres? Ah. Un genre de zigouigouis en U. Donc on a la haine, le zigouigouis en U. Ah, et le petit bonhomme. Donc le lion se trouverait à peu près là. Le N. Il est en bas, le petit bonhomme zigouigouis. Ah, quoi que non, là. Attendez. Là, j'ai un petit bonhomme, j'ai le N et j'ai le zigouigouis. Donc lui, il va là. On est d'accord. Le cheval maintenant. Alors le problème, c'est que le cheval, c'est lequel? Alors, là, il n'y a pas en fait. Donc le cheval, ce serait celui qu'on ne voit pas ici. Donc lui, c'est un petit bonhomme aussi. Un genre de C. Et un trident. Un zigougui, un C et un trident. Donc là, on veut le cheval. Alors, le cheval, mes amis, c'est lui. Alors, non, pas le cheval qu'on veut. C'est de la merde. Si, 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 qu'est-ce que je raconte? Si, c'est bon. Non, attendez. Pas le cheval, c'est le truc là-haut, là, le taureau, la vache, je ne sais pas. Alors, il y avait un C. Le C, il est là. Avec un petit zigougui et le triangle. Il se retrouve au milieu, là. Pas ça? Attends, où est-ce que j'ai merdé? Mon symbole, il doit être bien au milieu. Après l'autre, je sais pas l'ordre. Mais ça complète un genre de triangle. Le cheval va bien là-haut. Alors où est-ce que je me suis trompé? Là-bas, il y a un trident. Ah, mais le problème, c'est que si au niveau du cheval, il y a quoi? Ce serait le lion qui va pas? Mais le petit genre spermatozoïde, il n'y en a qu'un à gauche. Quoique ça colle avec un petit bonhomme. Ah, mais ça colle aussi avec un N, le lion. On peut le mettre ailleurs, le lion. En vrai, on peut le mettre là aussi. Voilà. Viens de voir. C'est bon. Bien joué, Salaud, il y petit. avait deux emplacements. Le petit saligaud. Fermé. Fais attention. Seigneur Godefroy, je Non, présume. mais je suis Le doué, vous avez vu? Salique. Ça On a y est. retrouvé Tu peux Godefroy! retenir ça? Godefroy de Ouais. Montmirail! Il reste pas grand-chose de Godefroy. Hein. Regarde, c'est une sorte Une d'amulette. amulette. Arrêtez d'ouvrir les trucs comme Et un ça. truc d'écrit.
C'est quoi ce camion dehors qui fout le bordel là? Tu vas faire ça sur la tête de Lancelot, hein? C'est un texte sabéen. Oh, ça doit provenir de l'ancien Yémen, non? Ouais. Pile là où Francis Drake sera arrivé au XVIe siècle. Ce serait le nom d'une cité? Ouais, il y a 3000 ans de ça. Sans le reste des inscriptions, on sait toujours pas où chercher. Espérons que l'autre moitié est en Syrie. Ouais, et que Cutter et Chloé la trouveront. Quoi? Mais défunte, les mecs. Y'a rien d'autre Pas un petit trésor, un truc ici? Même pas. Par contre, ils vont pas nous laisser nous barrer comme ça, j'imagine. Ça me paraît trop simple. Je vous le déconseille. Merde. On a fait tout le taf pour eux, je m'en doutais hein, quand j'ai résolu l'énigme, c'est ce que j'étais en train de me dire. Harris, veuillez soulager Monsieur Drake de son artefact. Putain, j'ai pas info. Ouais, Harris. Essayez. Oh, j'ai pris une balle. Pas la peine de mourir. Votre ami a l'air d'accord. Allez, Nate. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Est-ce qu'on s'est bien fait enfumer? Putain, on voit que les visages, c'est pas de la peste. Ouais, des scarabées ou je ne sais quoi, des araignées. Dans la lumière. Prenez-le. Allez, vite. Non, enlève-les. Vite, enlève-les. Ah bah voilà pourquoi il avait mal fini là, non? Votre torche est en train de s'éteindre. Ah merde, on est les prochains. Je vous souhaite bonne chance. Quelle ordure. C'est clair. Bien. Faut qu'on sorte d'ici et vite. T'éloigne pas. Pourquoi c'est toujours pour moi les embrouilles? Merde, ah, nouveau chapitre. Il faut qu'on dégage de là. Attends, par là. Quoi par là? Ah oh! Tu fais Sully, bouge, c'est toi qui as la torche. Allez, allez! Ah mais je vais me faire bouffer. Ah non, il a posé la torche au sol. Viens m'aider. Saloperie d'araignée, non mais j'aime pas ça en plus. Par là. Mais j'avais dit, hein, deux épisodes. Waouh waouh waouh. Ah, une place sur moi. Ah c'est dégueulasse. Ah c'est répugnant. Ouah, je vais me faire bouffer. Vite la lumière. Nom de Dieu, elle passe par le plafond. Oh mais non, vous êtes sérieux. Allez, cours. La vache, elles sont rapides. Mais arrêtez. Il y a trop d'araignées. Arrête, dégage les araignées. Mais il y a des araignées qui me bouffent. Enlève-la. Allez, elles aiment pas le soleil. Bon, t'en as plus. Hein? Et moi? Tourne-toi. T'as rien. Oh. Ça va? Non, mais les morsures de ces trucs-là, je pense que ça doit déconner zéro. On y retourne. Plus jamais on y retourne. Ça, je suis d'accord. Où est-ce qu'on est censé aller alors? Par là? Passe par où tu veux, à condition que tu me promettes qu'il n'y ait plus l'araignée. Ah, mais genre, tu retournes par là. On doit trouver un moyen de sortir. C'est quoi ce bordel? Comment on sort? Ah merde, c'était pas par là. On me dit dans mon micro que c'était pas par là. Ok, donc je pense qu'on va se quitter ici, les amis. On doit trouver un moyen de sortir.
Pendant que Sully défonce des portes, je vais vérifier que le camion fout pas le bordel surtout sur la vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner pour ce cinquième épisode. Les amis, ça m'a fait très plaisir d'être avec vous. On a eu, comme je l'avais dit, un peu d'action. En tout cas, on a fini l'action. Non, on n'a même pas eu d'action dans cet épisode-là. Je dis des conneries. C'était dans l'épisode précédent. En fait, on a pris la suite logique. On a eu un petit retournement de situation. Mais en fait, on s'y attendait. Hein, on savait. On n'est pas des fous. Donc je vous dis à très bientôt, portez-vous bien, ciao ciao les amis.